Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la deuxième vidéo de ma petite série sur l'accouchement à domicile. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo, comme vous l'aurez vu, lecture. Je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus sur l'accouchement et notamment sur l'accouchement physiologique, à la maison, voire non assisté. Ça reste super intéressant, quel que soit le type d'accouchement que vous souhaitez vivre, mais particulièrement dans le cadre de ces projets-là. Si jamais vous débarquez, c'est une deuxième grossesse pour moi et j'ai le projet d'accoucher à la maison. Pour ma première, j'avais accouché dans une maternité qui était très axée physiologique et tout ça, et du coup mon accouchement, j'en suis plutôt satisfaite, même si contrairement à ce que je souhaitais, j'ai finalement demandé la péridurale. Au final, j'ai quand même pu accoucher dans la position que je voulais. Je pouvais doser moi-même la péridurale, etc. Ce qui fait que je reste globalement satisfaite de ce premier accouchement, pour lequel je voulais pas trop mettre la pression non plus d'ailleurs. Mais là, pour ce deuxième, je suis bien plus déterminée à aller au bout de mon projet, donc qui est, comme je vous l'ai dit, d'accoucher chez moi. Je n'ai vraiment pas envie d'aller à la maternité. Encore moins là depuis que j'ai eu mes deux rendez-vous hier et ce matin. C'est bien quand il y a une urgence ou un problème, mais ouais, là tout se passe très bien, donc j'ai vraiment l'envie d'accoucher chez moi. Je vous laisserai aller voir la première vidéo de cette petite série, j'essaierai de penser à la mettre en barre d'infos. Je vous donnais un petit peu tous mes conseils, toutes mes astuces pour se préparer à accoucher à la maison. En tout cas, je vous expliquais ce que moi je fais et ce qui m'aide à me projeter, à cheminer vers ce projet pour faire en sorte que tout se passe bien. Du coup, donc je vais vous montrer 5 livres et notamment 3 qui sont des vrais gros coups de cœur. Et selon moi, ils sont très très bien pour se préparer à accoucher à la maison parce qu'ils sont très riches en informations sur le déroulé de l'accouchement, donc ce qui se passe dans le corps de la maman, ce qui se passe pour le bébé qui descend, ce qui se passe au niveau des hormones, au niveau du périnée. Enfin voilà, vraiment, autant ça peut être très concret, autant vous allez aussi avoir des récits dans la plupart des livres, des récits d'accouchement. Et donc ça, c'est super motivant, on a l'impression qu'on n'est pas seul parce que bah voilà, on se dit qu'il y a des milliards d'autres femmes qui ont accouché, qui accouchent, et en fait ce qu'on vit, c'est finalement quelque chose de, alors, entre guillemets, de banal, dans le sens où plein d'autres femmes le vivent et c'est juste un moment de la vie en fait, c'est pas la fin de quelque chose, même si ça reste un moment incroyable et très beau et tout, mais voilà, c'est pas... En fait, ça le démystifie un peu, je trouve, mais tout en lui donnant énormément de beauté. Donc c'est un peu paradoxal, mais voilà ce que moi je ressens en tout cas en lisant les récits d'accouchement. Et vous avez également pas mal d'astuces pour... enfin d'astuces... Ouais, entre guillemets, de conseils pour bien vivre votre accouchement, donc pour bien vous y préparer et pour l'instant T, pour aider le bébé à descendre, pour éviter d'avoir des déchirures... voilà, enfin vraiment c'est super complet ces lectures-ci, c'est pour ça que je vais vous en parler et que je vais vous les recommander. Alors c'est les 5 que j'ai lues durant la grossesse, bon ma grossesse n'est pas terminée, hein, vous voyez, mais ce sont les 5 que j'ai lues et en fait j'ai pas vraiment envie d'en lire d'autres. J'en ai encore 2 autres mais ils sont en anglais et là j'ai plus vraiment la motivation, mais en tout cas ceux-ci sont largement suffisants parce qu'ils sont extrêmement complets. Si à la fin de cette vidéo vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires, soit en privé sur mon Instagram, et je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'irai feuilleter un petit peu les livres pour vous donner des réponses un peu plus précises. Alors du coup, je vais commencer par mon préféré qui est Accoucher par soi-même, le guide de la naissance non assistée de Laura Kaplan Chandelet. Donc là on nous parle carrément de naissance, enfin d'accouchement non assisté, c'est-à-dire que la femme accouche seule, sans médecin, sans sage-femme, sans anesthésiste, rien du tout, éventuellement avec des personnes de son entourage, son partenaire ou autre, mais pas de corps médical. Bien que ce ne soit pas mon projet pour cette naissance-ci, je m'étais d'abord renseignée en fait sur l'accouchement non assisté, ANA pour aller plus vite, parce que vraiment j'avais le souhait d'accoucher chez moi et je sais que c'est compliqué de trouver une sage-femme qui accepte de faire un accouchement à la maison. Et du coup j'étais partie dans l'idée que j'accoucherais toute seule si je pouvais pas trouver de sage-femme. Bon, au final on a eu beaucoup de chance, on en a trouvé une qui est géniale, mais du coup ça reste ultra intéressant de se renseigner sur l'accouchement non assisté. Moi j'ai adoré ce livre, il m'a vraiment donné confiance. En fait on réfléchit autour de l'accouchement et on se rend compte que de par le monde et chez les autres mammifères,
Bah, c'est juste la norme en fait d'accoucher seule, d'accoucher sans médecin ni rien. Et ça fait beaucoup réfléchir en fait ce genre de lecture. On se rend compte que notre corps est bien plus puissant qu'on ne se l'imagine, que nous sommes bien plus puissantes que l'on ne l'imagine. Et que plus on nous conditionne en fait à penser qu'un accouchement doit se faire à l'hôpital, plus on se dit qu'en fait c'est obligé parce que sinon ça doit forcément mal se passer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il est ultra intéressant à lire, vraiment je vous le conseille parce que vous avez à la fois des résultats d'études quoi, c'est pas juste une femme qui vous explique bah voilà moi j'ai accouché à la maison donc c'est très bien. Non, vous avez vraiment une réflexion poussée sur le sujet, vous avez des petits résultats d'études, mais vous avez aussi les récits des 4 accouchements de l'autrice, puisque l'autrice a accouché de ses 4 enfants à la maison, dont un qui se présentait en siège. Oui. Oui. Donc ouais, vraiment il est génial, il est à la fois très informatif, à la fois très comment dire, très spirituel, parce qu'elle nous parle aussi beaucoup de son cheminement, un petit peu de son histoire, son parcours de vie à elle, qui l'a menée à vouloir accoucher de cette façon. Mais ouais, j'ai vraiment vraiment un coup de cœur pour ce livre. Je vais vous mettre le résumé ici, comme ça vous pouvez peut-être faire une capture d'écran, je sais pas si on est assez près. Vous pourrez peut-être faire une capture d'écran, sinon n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et à me demander une petite capture. D'ailleurs, je crois que j'ai une story permanente avec ces livres-ci. Enfin, j'ai une story permanente avec mes livres préférés, c'est sûr, mais je ne sais pas si je les ai déjà mis ou pas, les livres sur l'accouchement. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Mais vraiment, celui-ci est génial. Et en fait, quand on le lit, on se dit, ah ouais, mais en fait, la femme, elle est puissante. Et en fait, bien sûr que toutes les femmes sont capables d'accoucher. Et ce, sans aucun médecin à côté. Là, je parle bien sûr quand tout se passe bien. Hein. Je parle pas des grossesses à problème, voilà, quand il y a des grosses complications ou quoi, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, en tout cas, il donne énormément confiance. Et en même temps, on a aussi pas mal d'infos concrètes. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, lui, ça fait partie de mes 3 préférés, mais c'est peut-être celui que je vous recommanderais le plus. Parce que je me demande si c'est pas le plus complet au niveau des infos que vous pouvez trouver, des récits que vous pouvez trouver, des astuces entre guillemets, des conseils que vous pouvez trouver pour que votre accouchement se passe au mieux. Je me demande si c'est pas lui qui est le plus complet, donc c'est peut-être celui que je vous recommanderais en premier. Il s'agit du livre Le guide de la naissance naturelle, retrouver le pouvoir de son corps, de Ina May Gaskin. Donc il est assez connu, hein. De toute façon, je pense que les livres que je vais vous montrer dans l'ensemble sont quand même assez connus, mais celui-ci c'est pas mal une référence et je comprends pourquoi. Donc pareil, je vais vous mettre le résumé comme ça si vous voulez faire une petite capture d'écran. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Soit ils seront déjà en story permanente, soit je vous enverrai par message privé une photo du résumé, même un petit peu de l'intérieur si vous voulez. Donc celui-ci pour le coup il est vraiment génial. Vous avez une très grande partie de récits. Et là encore, je trouve que ça donne vraiment confiance en fait de lire des récits d'accouchement parce qu'on se sent moins seule, parce qu'on voit que ça se passe très bien. Moi je sais que par exemple que pendant ma grossesse, à un moment, mon bébé avait des courbes un peu hautes au niveau du poids et du ventre. Et du coup, on commençait à me dire, ah, ce sera peut-être un peu un gros bébé ou machin. Et j'avais super peur qu'il soit très gros et que ce soit compliqué de le sortir ou quoi. Et en fait là je lisais des récits avec des bébés de 4 kilos et quelques où tout se passait très bien. Mon bébé n'est pas du tout estimé à 4 kilos, mais il sera a priori plus lourd que ma fille aînée. Mais pour le coup ça m'a beaucoup rassurée, voilà, de lire ce genre de choses. Vous avez des superbes photos aussi. Je sais pas si je pourrais vous les montrer, vous avez des superbes photos. Vous avez beaucoup d'infos pareil enfin, sur le déroulé de l'accouchement. Voilà, et sur également ce qu'il est bon ou non de faire, on va dire, pour que le travail se passe bien, pour que l'expulsion du bébé se passe bien, voilà, que ce soit au niveau des positions, voilà, il y a plein plein de choses. Vous avez énormément d'informations ultra intéressantes. Vous avez beaucoup d'annexes aussi, avec pas mal de références, que ce soit sur l'accouchement, mais je crois qu'il y a aussi sur l'allaitement, enfin sur plein de choses. Bref, celui-ci, ouais, je pense que c'est peut-être celui que je vous recommanderais en premier. Il est très très complet. Et après, si vous voulez surtout des infos sur l'accouchement, ben, en fait, sachez que la partie récit, elle fait tout ça.
Voilà, toute cette partie-là, ce sont des récits et ça, c'est sur l'accouchement. Voilà, il faut le savoir. Si jamais votre truc, c'est pas trop les récits ou que ce qui vous intéresse, c'est surtout d'avoir les infos, ben voilà, au moins vous savez un petit peu à quoi vous en tenir. Voilà pour celui-ci. Alors moi, c'est pas mon préféré, c'est pas celui qui m'a le plus touchée du coup. Mais je dois admettre qu'il est très bien pour s'informer, pareil, sur le... Surtout le mécanisme, on va dire, de l'accouchement, voilà, la descente du bébé, les hormones et tout, et comment gérer la douleur. Il est assez complet aussi, et peut-être un peu plus concis également, donc peut-être qu'il peut convenir à plus de monde celui-ci pour le coup, parce qu'il est un petit peu plus court. Donc il s'agit de « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» de Mighty Trello. Ouh là là, je sais pas du tout comment on prononce quand il y a le U tréma comme ça, je suis vraiment désolée. Je vous mets encore une fois le résumé si vous voulez faire une capture. Alors je saurais pas vous dire pourquoi c'est pas mon préféré, peut-être parce que je le trouve encore un peu trop médical à mon goût, je sais pas. Je saurais pas vous dire, mais il reste très bien, ça reste un livre que je peux tout à fait recommander. Il y a quelques récits aussi. Je crois qu'en fait ils ont tous des récits, sauf peut-être celui que je vais vous montrer après. Celui-ci il est sympa quand même, vous avez quelques schémas comme vous pouvez le voir. Bon pour le coup j'aurais pas autre chose spécialement à vous dire sur celui-ci, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire pour que je sois un petit peu plus précise. Ensuite on a celui-ci qui ne fait pas non plus spécialement partie de mes préférés mais qui est très chouette quand même. Il s'agit de « Accoucher sans stress avec la méthode Bonaparte » de Julie Bonaparte justement. Donc il ressemble à ça. Il est très illustré celui-ci, ce qui peut être assez sympa pour les personnes qui n'aiment pas trop lire par exemple, ou je sais pas, qui se lassent un peu plus vite, qui ont besoin que ce soit imagé en fait tout simplement. Bah, il a énormément de photos. Il est très concret pour le coup. Peut-être un petit peu moins informatif, mais assez concret sur ce que vous pouvez faire en fait durant la grossesse ou le jour J pour vous aider à ouvrir le bassin, à soulager les inconforts dans le dos, voilà tout ça. Donc il est super illustré, pareil vous avez des schémas, il est quand même vraiment bien expliqué aussi. Et il y a tout un chapitre que j'adore justement sur la modulation de la douleur, donc tout ce qu'on peut faire pour réduire la douleur ou envoyer un autre signal douloureux au cerveau pour oublier un petit peu la douleur de la contraction. Enfin, là-dessus, pour le coup, il est très concret, j'aime beaucoup. Vous avez, voilà, par exemple, là, tout un tableau sur le sujet. C'est bien celui-là, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, franchement, lui, il est très très bien aussi. On va du coup vous parler de ce qu'on peut faire voilà, pour réguler la douleur. On va vous parler de la respiration, du mouvement. Vous avez encore une fois beaucoup de photos avec les massages que vous pouvez faire et tout et tout. Et pour le coup, moi j'ai une sage-femme qui est assez branchée à méthode Bonaparte. Et quand on faisait les cours de préparation à l'accouchement et qu'elle nous montrait des petites techniques d'acupression, donc des points sur lesquels appuyer, quand elle nous montrait des petits massages ou des positions, etc. Et ben en fait, moi j'ai beaucoup pensé à ce livre parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais pu lire dans ce livre. D'où l'intérêt, comme je vous dis, de bien lire, de bien vous informer en fait, tout simplement, lorsque vous avez le projet d'accoucher à la maison ou même juste lorsque vous allez accoucher, parce que on se rend compte que lors de la préparation à l'accouchement, on peut retrouver des infos qu'on a lues. Donc ça veut dire que les livres sont bien, en principe. Voilà, voilou. Et puis ma foi, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce livre-là. Il y a quelques recettes. On a le trousseau bébé si vous voulez accoucher à la maison, accoucher à la maternité, pardon. Ouais, c'est pas forcément mon préféré, mais il est super chouette quand même, donc je vous le recommande aussi. Et pour le coup, encore un qui fait partie donc de mes trois préférés, parce que là pour le coup ça change de ce que j'ai pu vous montrer ici. Il s'agit de « Naissance orgasmique, vivre une naissance sûre et satisfaisante » d'Elisabeth Davis et Debra Pascali Bonaro. Il ressemble à ceci aux éditions Le Être Myriadis. J'adore cette maison d'édition. Et je vous montre encore une fois le petit résumé. Voilà. Alors celui-ci, en quoi il est un petit peu particulier par rapport aux autres? En fait, il interroge la notion de douleur et la notion de plaisir durant l'accouchement. Autant celui-ci
le questionne un peu aussi, mais je trouve qu'il reste encore un peu trop dans le schéma oui, un accouchement, ça fait forcément mal. Et je suis pas. Enfin, comment dire? C'est pas que je suis pas d'accord avec ça, mais j'aime mieux, du coup, pour le coup, ce livre qui, bah, qui pousse une vraie réflexion sur le sujet et qui nous parle également de la notion de plaisir ou de la notion d'extase, voire même d'orgasme lors de l'accouchement. Pas dans le sens où la maman est malsaine parce que elle prend du plaisir lorsque son bébé passe, c'est pas du tout l'idée, mais dans le sens où ça peut être un moment tellement fort, tellement puissant et intense dans le corps d'une femme que ça peut provoquer justement des sensations et un sentiment proche de l'orgasme. Et pareil, on nous parle de quelque chose de très tabou, mais on nous parle du plaisir lors du travail. Et notamment de femmes qui, pour diminuer la sensation de douleur, n'hésitez pas à se masturber lors du travail. Alors, si c'est le genre de choses qui vous choque, vous avez le droit. Venez pas m'embêter sous cette vidéo à me dire c'est choquant ce que tu viens de dire. C'est une réalité en fait. Juste, c'est un peu prouvé scientifiquement que le plaisir sexuel peut diminuer la douleur, notamment lors des règles par exemple. C'est pas pour toutes les femmes, il y en a qui n'ont pas du tout envie de ça, ça va les bloquer complètement, etc. Ça se comprend, ça se respecte aussi, mais ne venez pas embêter celles qui pour le coup n'ont pas de soucis avec ça et que ça peut aider en fait. Voilà, je préférerais le dire, mais du coup il est hyper intéressant et j'aime bien le fait qu'il brise un tabou parce qu'en fait on ne devrait jamais poser de tabou sur un acte tel que l'accouchement en fait qui est juste complètement normal. Donc il est ultra ultra intéressant, j'aime beaucoup la réflexion qu'il propose. Il donne également pas mal de petites astuces, notamment trimestre par trimestre, avec des espèces de petits rappels de ce qui peut être bien de faire pour se préparer justement à l'accouchement. Donc c'est assez cool d'ailleurs, ça peut être sympa de les photocopier, de se les mettre sur le frigo, c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Vous avez des photos très chouettes et vous avez également des récits, donc vraiment il est super top. Vous avez plein d'infos encore en annexe également, de sites, choses comme ça que vous pouvez retrouver. Mais vraiment, je vous le conseille pour le coup. Il sera peut-être un tout petit peu moins concret. Vous aurez peut-être un tout petit peu moins d'astuces, quoique vous en avez aussi hein, pour soulager la douleur et tout. Mais pour le coup, là, on est plus sur de la réflexion spirituelle et émotionnelle. Mais c'est important aussi. Il n'y a pas que la connaissance du corps. Il y a aussi tout le mental, en fait, je trouve, à préparer lorsqu'on s'apprête à accoucher. Et du coup, moi je le trouve très rassurant, je trouve qu'il donne confiance, je trouve qu'une fois qu'on l'a lu, on se sent puissante en fait, encore une fois. Donc ouais, j'ai un gros coup de cœur pour ce livre. Je vous remontre lesquels sont mes trois préférés. Après c'est propre à chaque personne. Ouh ! Hop là. Donc on a Naissance orgasmique aux éditions Le Être Myriadis. Et n'hésitez pas à aller voir cette maison d'édition, vraiment elle est trop bien. On a le guide de la naissance naturelle d'Ina May Gaskin et on a accouché par soi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous le répète, mais s'il vous reste des questions, si vous avez envie que je vous montre un petit peu l'intérieur des livres, si je sais pas si vous n'arrivez pas à choisir ou quoi, bah, n'hésitez pas à me poser vos petites questions dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message privé sur Instagram et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement du coup la dernière de cette petite série de 3 sur l'accouchement à domicile où je vous parlerai donc du matériel qu'on va utiliser, voilà, de notre installation, de ce qu'on a prévu d'un point de vue un peu pratico-pratique pour l'accouchement. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !